13 juin 323, pour les Grecs, c'est le 28e jour du mois de Scirophorion, dans la 114e Olympiade, Alexandre meurt à Babylone. Voilà, c'est une date. C'est une date précise. C'est une des seules dates précises de l'Antiquité grecque. La seule, d'ailleurs, de la vie d'Alexandre qu'on puisse préciser au jour près, le 13 juin 323. Et c'est sa mort. Si l'on connaît la date aussi précisément, c'est grâce à ce fragment de tablette cunéiforme. Il s'agit d'un journal astronomique babylonien où la mort du roi est mentionnée. C'est l'une des rares dates connues avec certitude, donc, et peut-être aussi l'un des tout premiers événements globaux, puisque la nouvelle de cette mort retentit dans tout l'Ancien Monde, en Europe, en Afrique, en Asie. Commençons par un petit rappel des faits en forme de fiche signalétique. Alexandre III, dit le Grand, né en 356 avant notre ère à Pella, capitale du royaume de Macédoine. Il monte sur le trône de ce petit royaume du nord de la Grèce en 336. En une dizaine d'années, il va renverser le plus grand des empires antiques, l'empire perse achéménide. Lorsqu'il meurt, à 33 ans, il est à la tête d'un territoire qui s'étend de la Grèce aux abords de l'Inde. Mais ce qui fait événement dans la mort d'Alexandre, c'est aussi que c'est un tremplin vers le rêve. C'est aussi que, au fond, c'est un personnage qui meurt et immédiatement, un mythe qui naît. C'est un visage qui disparaît et c'est une icône qui apparaît. Et ce qui arrive à nous, bien plus tard, c'est justement cette vague puissante de légende, bien plus forte que l'histoire, la légende d'Alexandre. Et au fond, la question que pose la mort d'Alexandre aux historiennes et aux historiens, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une histoire qui est comme ça presque indissociable de son mythe ? Lorsque Hollywood s'empare d'Alexandre, c'est un imaginaire très ancien qui se rejoue. Un imaginaire dont la tradition remonte à 23 siècles. De l'Antiquité à l'époque moderne, le roman d'Alexandre est en effet le best-seller absolu de la littérature européenne et moyenne-orientale, toutes langues confondues. C'est une grande épopée en vers qui se développe sous la forme d'un buissonnement de traductions et d'adaptations. Il y a un roman d'Alexandre grec, un roman d'Alexandre syriaque, un roman d'Alexandre français, un roman d'Alexandre perse, etc. Le héros y subit 1000 métamorphoses au gré des versions. Blond, brun, barbu, imberbe ou moustachu. Il manipule une lance, un arc, un cimeterre. Mais tous ces romans d'Alexandre se rejoignent sur le registre du merveilleux. Alexandre explore le fond des océans. Alexandre monte au ciel sur un char tiré par des griffons. Alexandre rencontre la tribu des hommes sans tête. C'est comme si, finalement, la part du rêve dans cette aventure, les historiens ne devaient pas la récuser, mais la prendre, la comprendre, la prendre avec eux. Pourquoi ? Eh bien parce que l'aventure d'Alexandre, d'une certaine manière, elle ne s'explique pas sans la fiction. Et elle suscite elle-même des fictions. Elle est incompréhensible si on ne comprend pas qu'elle est d'emblée fictionnelle. Dès sa naissance, la vie d'Alexandre est élevée au rang de mythe. Son père, le roi Philippe II de Macédoine, est supposé descendre d'Héraclès, tandis que sa mère, Olympias, le relie à Achille, le héros guerrier de l'Iliade. En plus d'apprendre le métier de roi, il étudie
avec un précepteur venu d'Athènes qui s'appelle Aristote. Pas un jour ne passait, affirme l'historien grec Plutarque, sans qu'il ne lise une page de l'Iliade, dont il pouvait citer par cœur de nombreux passages. Très tôt, il se rêve comme le successeur d'Achille. C'est extraordinaire comment, au fond, cet homme historique se sent préfiguré par un personnage de fiction. Et pour le comprendre, au fond, il faut aussi voir cette scène qui est peut-être une scène inaugurale de l'histoire qu'on a à raconter, qui est la scène d'Alexandre qui se recueille devant un tombeau, devant deux tombeaux. La première visite se déroule en 331 à Ilion, sur la tombe supposée d'Achille. La seconde a lieu en 324, c'est-à-dire l'année qui précède sa mort. Il se rend alors à Pasargadae, en Iran, pour visiter le tombeau de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire achéménide. Ce dédoublement, deux tombes, la tombe d'un héros, la tombe d'un personnage historique. Une tombe fictive, une tombe réelle. Une tombe occidentale, le héros du monde occidental, Achille. Et une tombe orientale, Cyrus le Grand. Eh bien, d'une certaine manière, ce dédoublement d'une scène originelle, il dit ce que va être l'aventure d'Alexandre. C'est-à-dire une aventure entre Orient et Occident, mais aussi une aventure entre fiction et réalité. Pour raconter cette histoire, du moins dans ses grandes lignes, on peut scander l'aventure d'Alexandre en trois périodes. La première est celle de la stabilisation du monde grec. Philippe II, père d'Alexandre, mène une politique d'unification et de mise au pas de ses cités grecques rivales qui voient les Macédoniens comme des semi-barbares dont la puissance militaire les protège de leurs ennemis perses, mais les menace également. En 336, lorsque Philippe est assassiné dans des conditions mystérieuses, Alexandre poursuit sa politique expansionniste aux dépens d'Athènes et de Thèbes, allant jusqu'à faire raser totalement cette dernière pour punir ses velléités d'indépendance. Mais il veut aussi venger la mort de son père qu'il attribue aux Perses. La deuxième phase, 334-329, c'est la phase de confrontation avec l'Empire achéménide. Elle est extrêmement rapide, elle est presque fulgurante. Il s'agit d'une chasse à l'homme. C'est-à-dire qu'Alexandre traque celui qu'il considère comme l'assassin de son père, Darius. Darius, troisième du nom, est probablement alors l'homme le plus puissant du monde. Il règne sur l'Empire achéménide, dont le cœur est en Perse, c'est-à-dire dans l'Iran actuel, mais qui s'étend depuis l'Europe orientale jusqu'aux abords de l'Inde. De 334 à 331, Alexandre s'empare de l'Asie mineure, de la Syrie, puis de l'Égypte. Comment expliquer la vitesse stupéfiante de cette conquête? Et d'ailleurs, s'agit-il bien d'une conquête? Longtemps perçu comme le vengeur du monde grec face à l'Asie, Alexandre apparaît aujourd'hui aux historiens comme une figure plus ambivalente. La progression de la conquête, eh bien, d'une certaine manière, elle doit moins l'héroïsme l'expansion guerrière qu'à la fascination, la séduction, qu'au fait que, d'une certaine manière, Alexandre s'immisce. Il s'immisce dans les pouvoirs en place. Exactement comme un virus, il s'installe au cœur du pouvoir et il les tourne à son profit. Une progression virale, donc, plutôt qu'une conquête, à proprement parler. Alexandre s'introduit dans les rapports de force régionaux et les manipule à son avantage. Très consciemment, il construit son propre mythe et utilise cette politique de l'image comme un instrument de conquête du pouvoir. En bien des endroits, il n'apparaît pas comme conquérant, mais comme libérateur. Et en particulier en Égypte, qui est sans doute à la fois le moment et le lieu clé de sa conquête. Pourquoi ? Parce que l'Égypte,
a été conquise par les Perses. Et Alexandre apparaît aux yeux des Égyptiens comme leur libérateur, comme leur restaurateur. D'une certaine manière, il va se présenter à l'Égypte comme le restaurateur de l'ordre pharaonique. 332 est l'année décisive. Alexandre fonde Alexandrie en janvier, puis il abandonne provisoirement la poursuite de Darius pour un long crochet jusqu'à l'oasis de Siwa, dans le désert libyen. Les historiens n'ont pas toujours compris le sens stratégique de ce détour. Mais c'est à Siwa que la conquête d'Alexandre prend littéralement son sens. C'est là, en effet, que l'oracle du temple d'Amon lui annonce qu'il est pharaon et fils de Dieu. Alexandre ramène donc de Siwa une légitimité égyptienne et une nouvelle image, Alexandre pharaon, représenté ici sur un bas-relief du temple d'Amon à Louxor. C'est en entendant l'oracle d'Amon dans l'oasis de Siwa que Alexandre se convainc qu'il est fils de Dieu, qu'il a pouvoir sur la terre entière, qu'il est au bord du monde pour comprendre que son empire n'aura pas de limite. En octobre 331, le voici face à l'immense armée de Darius III à Gaugamel. L'écho de cette bataille se prolongera longtemps à travers l'iconographie orientale et occidentale du Moyen Âge à l'époque moderne. Alexandre remporte finalement cet affrontement décisif et pénètre sans combattre dans Babylone. Darius meurt l'année suivante, Alexandre est désormais sans rival. Démarre alors la troisième séquence, extrême-orientale. Beaucoup plus lente, elle dure presque 5 ans, de 329 à 325. Alors que Babylone aurait pu être l'aboutissement de la guerre, Alexandre est à peine à mi-parcours. En 326, il pénètre dans la vallée de l'Indus, où il combat un roi indien nommé Poros. Cette fois-ci, c'est Bollywood qui s'emparera de cette bataille fameuse où les Macédoniens affrontent les éléphants de combat de Poros. Est-ce le moment de revenir chez soi? Les soldats l'exigent, mais Alexandre rêve d'atteindre le bord du monde. Son aventure semble alors hésiter, sans but. En 324, il est de retour en Perse, à Suse, où il épouse en seconde noce la princesse Statera, fille de Darius. Il se donne donc ainsi une légitimité perse. Il se fait lui-même souverain achéménide. Et il demande à ses compagnons d'en faire autant. Et là, évidemment, il y a des résistances. Ces résistances, c'est « mais on est grec. Est-ce qu'on va s'orientaliser? Est-ce qu'on va, au fond, se laisser gagner par cette culture que l'on a combattue? C'est ce grand thème du conquérant qui finit par être conquis par sa conquête. De là naît aussi, chez les historiens grecs et latins, et notamment Quinte Curce, le motif de l'amollissement d'Alexandre, gagné par les langueurs orientales. Sa mort apparaît alors comme le point d'orgue de cet amollissement, une lente décomposition du corps et de l'âme du héros. De la mort d'Alexandre, on peut faire le récit jour par jour, presque heure par heure, et ce, grâce aux citations que fait Plutarque des Éphémérides royales, sorte de journal rédigé par Eumène de Cardia, le chancelier d'Alexandre, dans la tradition perse d'une écriture minutieuse et quotidienne du pouvoir. Le 18 du mois d'Aésios, disent les éphémérides, Alexandre se coucha dans la salle de bain à cause de la fièvre. Et le texte continue ainsi, lentement, langoureusement, décrivant une mort silencieuse, presque douce. Le 25, il dormit un peu, mais la fièvre ne céda pas. Et quand ses officiers entrèrent, il ne parlait plus. Le 28, vers le soir, il mourut.
Pensez quand même, pour Alexandre, qui s'est rêvé héros grec, qui n'a pas passé un jour de sa vie sans lire un passage de l'Iliade, comme sa mort est loin de l'image qu'on peut se faire de la mort d'un héros, comme elle est peu héroïque, peu glorieuse, peu spectaculaire. Rien n'est solennel dans cette scène. Il n'y a pas de dernière parole, il n'y a pas de testament, il n'y a rien d'autre que l'agonie, la mort et le désarroi. Ça va poser plein de problèmes. Alexandre est mort sans rien dire. Et alors que son corps sans vie repose au milieu de ses compagnons, une question surgit immédiatement. Que va devenir l'Empire ? Anne-Emmanuelle Weiss est spécialiste de l'Égypte après Alexandre. À la mort d'Alexandre, il y a deux héritiers possibles, deux héritiers légitimes. L'un est le demi-frère d'Alexandre, Philippe Aridée, et l'autre son fils posthume, Alexandre IV, le fils qu'Alexandre a eu avec la princesse iranienne Roxane. Le paradoxe, c'est que ni l'un ni l'autre de ces héritiers légitimes ne peuvent exercer la réalité du pouvoir, Alexandre IV pour des raisons évidentes, et Philippe Aridée, le demi-frère, parce qu'il était atteint d'un mal mental incurable. Et cette situation tout à fait particulière a évidemment été propice à l'expression d'ambition personnelle, ambition portée par ce que les historiens modernes ont coutume d'appeler les diadoques. Les diadoques sont les généraux d'Alexandre, ceux qui, à sa mort, sont rassemblés autour de son corps. Perdiccas, Ptolémée, Antigone le Borgne, Lysimaque, Léonatos, Eumène de Cardia, Séleucos. Chacun comprend que succédera à Alexandre celui qui saura mettre la main sur son image. Car la mort d'Alexandre est aussi la naissance d'une icône. Plutarque raconte comment chaque diadoque tentera de cultiver sa ressemblance physique avec le héros défunt. Mais pour l'instant, le premier enjeu de la succession est bien là, au centre de la pièce. Que va devenir le corps d'Alexandre ? Sera-t-il incinéré ? Sera-t-il inhumé ? En fait, on en est pratiquement certain, il est momifié. Et ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. C'est un signe très fort. Ça veut dire qu'il est pharaonisé. Ça veut dire que le seul fait que l'on décide à ce moment-là, à Babylone, d'embaumer le corps d'Alexandre, fait signe vers l'Égypte et vers le pouvoir pharaonique, vers ce pouvoir sacré que Alexandre, justement, a rêvé. Mais les diadoques ont compris que celui qui mettra la main sur le corps et l'accompagnera jusqu'à sa dernière sépulture prendra une avance décisive sur la succession symbolique. Le corps d'Alexandre va donc être détourné. Et celui qui réussit ce détournement géographique et politique, c'est Ptolémée. Avec le corps d'Alexandre, Ptolémée peut s'affirmer comme le gardien de ce corps mort, de la même manière qu'il a été gardien du corps vivant en tant que garde du corps, somatophylaque, pendant l'expédition d'Alexandre. Vis-à-vis des autres diadoques, cette appropriation du corps pose Ptolémée comme le principal héritier parmi ceux qui se revendiquent de cet héritage d'Alexandre. C'est qu'en plus du corps, il tient aussi la plume. À partir de 321, il écrit des mémoires qui sont la source de toute la tradition alexandrine. Bref, le souvenir d'Alexandre se forge aussi dans la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, lieu fantasmé du rassemblement de tous les savoirs du monde. Dans les décennies qui suivent, la course à la légitimité alexandrine se transforme en un véritable bourgeonnement de royauté autoproclamée. Ce n'est plus la diffusion virale de la conquête du pouvoir par Alexandre, mais au contraire la division cellulaire qui peut servir de modèle. L'Empire éclate en une multitude de royaumes qui vont s'affaiblir les uns les autres. 20 ans après la mort d'Alexandre, seuls Séleucos à Babylone et surtout Ptolémée en Égypte se maintiennent véritablement.
Ptolémée, qui a été nommé satrape d'Égypte à la mort d'Alexandre, fonde la dernière des dynasties pharaoniques, les Lagides, qui va durer 3 siècles et s'achèvera avec Cléopâtre en 30 avant notre ère. La société ptolémaïque, c'est une société de rencontres entre Grecs et Égyptiens, avec des mariages mixtes qui existent dès le 3e siècle avant notre ère et qui semblent s'être multipliés avec le temps. Et une ouverture, les Ptolémées ont fait le choix d'ouvrir les cadres de leur administration et de leur armée aux Égyptiens. Les Égyptiens, au fil du temps, ont acquis une place de plus en plus importante et des milieux qu'on pourrait qualifier de biculturels se sont constitués et là aussi sont de plus en plus nombreux au fil des décennies. Pendant qu'Alexandre meurt à Babylone, il est évidemment difficile de trouver ailleurs un événement aussi retentissant. La conquête d'Alexandre étant un événement global, la rumeur de sa mort parcourt le monde connu. Partout et à différentes échelles, la mort d'Alexandre provoque des effets. Au sud, en Nubie, l'apparition du royaume de Méroé. À l'est, l'émergence de l'empire Maurya dans le nord du sous-continent indien. En Grèce, Aristote est accusé d'athéisme et doit quitter Athènes. La République romaine n'est encore qu'une cité-État qui se débat avec les montagnards samnites au cours d'une guerre qui dure plus de 3 décennies. En Chine, c'est le temps des royaumes combattants. Le nord est unifié par le Qin et les populations nomades refluent au Shaanxi. Partout grondent les violences de la guerre. Au-delà de la brusquerie d'un événement de portée mondiale, la mort d'Alexandre est aussi un événement de longue durée. Ce rêve de l'empire universel, au fond, il relie l'Occident et l'Orient et il fonde, je dirais, un idéal commun ou en tout cas un horizon onirique en partage pour l'ensemble du monde connu à l'époque antique. Alors oui, on ne comprend pas Alexandre si on ne le voit pas se recueillir devant le tombeau d'Achille et le tombeau de Cyrus, le fondateur de l'empire achéménide. Mais pareillement, on ne comprend pas l'histoire qui suit la mort d'Alexandre si on ne voit pas que la visite au tombeau d'Alexandre devient le passage obligé de tous les empereurs, et pas seulement occidentaux, qui veulent justement tremper leur autorité, leur pouvoir, dans ce rêve d'un empire universel. Durant l'époque romaine, plusieurs empereurs feront le déplacement jusqu'au mausolée d'Alexandre. Après César, en 48 avant notre ère, c'est Auguste qui visite le tombeau en 30 avant notre ère. Mais au fait, où est le tombeau d'Alexandre? Le souvenir de sa localisation s'est perdu au 4e siècle de notre ère. Et pourtant, l'idée que le pouvoir universel s'acquiert par contact avec un précédent mythique va résister à cet oubli. Charlemagne ne peut plus visiter la tombe d'Alexandre, mais il visite le tombeau d'Adrien, qui lui-même a, dit-on, visité le tombeau d'Alexandre. Après la mort de Charlemagne, en 814, ce sera Frédéric II qui visitera son tombeau à Aix-la-Chapelle, avant que Napoléon ne se rende sur celui de Frédéric de Prusse. Quant au tombeau de Napoléon, aux Invalides à Paris, c'est Hitler qui le visite en 1940. Que vont chercher les bâtisseurs d'empire sur la tombe rêvée d'Alexandre? Vont-ils y chercher un songe de gloire ou un avertissement face à un pouvoir illimité qui trouve, d'une certaine manière, à son impossibilité dans l'inachèvement même de sa réalisation territoriale. C'est cela aussi, cette scène de la visite au tombeau. C'est à la fois un rêve de gloire et l'expression de la mélancolie du pouvoir, puisque cette aventure n'a pas de fin, puisqu'elle est inachevée. Elle ne peut être qu'achevée par le mythe, par la poursuite au fond, de ce rêve politique. Et quel est ce rêve politique? C'est évidemment
un rêve d'empire universel. C'est le rêve d'un monde qui tient les deux bouts, l'Orient et l'Occident. Ce monde-là, le monde qu'a rêvé Alexandre, personne ne le verra se réaliser. Mais il est toujours comme, au fond, un horizon, comme un horizon inaccessible, comme tout horizon, car il recule lorsqu'on s'avance vers lui. Mais cet horizon inaccessible, c'est évidemment la part du rêve. C'est au fond cette idée que d'Alexandre, on ne sait rien, sinon les rêves qui l'ont formé et ceux-là même qu'il a suscités.